Bienvenue sur la vidéo Nespresso Assistance concernant la préparation de grands crus et de recettes à base de lait avec votre machine Aguila. Si les cafés noirs peuvent être réalisés avec les quatre têtes d'extraction, les recettes à base de lait peuvent être seulement préparées sur le côté droit de chacun des deux modules. Pour préparer un café, placez une tasse ou un verre sur le support à tasse. Insérez la capsule Nespresso professionnelle et placez le levier vers le bas. Appuyez sur le bouton. Vous pouvez ajuster le volume ou l'épaisseur de la mousse selon votre goût à l'aide du régulateur d'air. Votre machine Aguila vous permet de réaliser de délicieuses recettes à base de lait à l'aide d'un simple bouton. La qualité des recettes est constante, quelle que soit la personne qui les prépare. Le Iced Macchiato est une excellente base pour des recettes qui enchanteront et surprendront vos clients. Reportez-vous à la vidéo sur la préparation des recettes Aguila à base de lait pour obtenir un résultat parfait en tasse. Votre boisson se prépare en une seule fois. Ne touchez à rien avant la fin de la préparation. Relevez le levier. La machine effectue automatiquement un nettoyage interne. Pour agrémenter vos recettes de mousse de lait, vous pouvez utiliser la fonction permettant d'obtenir de la mousse froide ou chaude. Le versement de la mousse de lait s'arrête automatiquement, mais vous pouvez aussi l'arrêter manuellement. La machine Aguila dispose de deux fonctions supplémentaires, la fonction mousse de lait et la fonction eau chaude. Si le bouton « Lait et mousse de lait » devient rouge, cela signifie qu'il n'y a plus de lait dans le thermos à lait. Ouvrez le réfrigérateur et rajoutez du lait dans le thermos. Afin de répartir les charges d'utilisation de votre machine et de réduire la fréquence de remplacement des pièces, prenez soin de distribuer équitablement les produits entre les quatre têtes d'extraction. Nous recommandons de préparer les recettes à base de lait sur les têtes de droite et les cafés noirs sur celles de gauche.